Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo course. J'ai participé à la course de Navès, donc c'est une journée qui s'est mal passée. Le seul point positif de la journée, je crois, c'est que j'ai pu mettre la GoPro en piste pour avoir des plans. Mais même elle a bugué en première manche, donc j'ai que la deuxième manche. Mais de toute façon, les deux manches se sont passées de la même façon, très mal. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker. Allez. Chili, punch me in. They see me in, I won't ever losing, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat her to pussy, then I go and cop in and hop in the band. She love my music, but say it's confusing, I ran it up from the start to the end. But you just a fan, why I'ma tell you these and outs, how I ran it on bands. I need that bag today, so I got time to be tripping and writing a love song, yeah. Writing a love song, we all experience love loss, yeah. Niggas be hating, so they got me cruising around with a stick. Cool as a bitch, you know I ain't never gonna lose again. I'm running this shit. On va décharger les KTM pour le contrôle. Donc papa qui fait la course en vétéran et moi la Coupe d'Avion. On est pas mal. Bon emplacement là. Pas loin de l'entrée de la piste. C'est top ça. Ça commence bien. Ça commence bien. Merci quand même au team manager qui a un peu organisé tout ça, l'emplacement. On voit les mecs qui ont l'habitude des GP, ouais, vois, voilà, les tourner la lignée. Voilà, ouais, c'est carré. Quels sont les objectifs là de... Toi, il te faudrait te qualifier en groupe A. Du coup, on en repart à la fin de la vidéo. Voilà, objectif se qualifier en A avec quelques pilotes élites demain. Ça fait chauffer la moto avant de récupérer le contrôle. D'usine qui ne peut pas se permettre de prendre un rupteur à froid, donc on fait chauffer. Hein. Jour 1, donc là c'est la veille de la course finie. On a passé la moto au contrôle, le transpondeur est récupéré, on va rentrer, se reposer. Et on se retrouve demain. Je sais pas quelle heure, les essais libres. Quoi ça fonctionne? Allô? Attends, c'est moi qui te dis alors. Bah bon, mais j'ai pu faire quoi, j'ai pas fait beaucoup de tours, hein. Le mec s'est satellisé. Bon, franchement, j'en ai fait. J'ai vu vraiment que t'étais libre quand même. J'en ai fait deux, j'étais libre après. Tu veux que t'aies un peu espacé déjà. J'étais libre, j'avais pas de truc. Mais ouais, après, t'as pas le temps de trop choisir les traces. Mais honnêtement, j'ai fait deux tours. Bon, franchement. Pas folie, mais propre. Je m'en ai fait alors. 18. 18. 1:56. Ouais. On va aller voir après la séance chrono, on va aller voir dans quel groupe on est. En groupe, Vial, Marty, Kay De Wolf, Gertz, Rubini, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, là c'est pas mal. T'as 0-2, ouais, ouais, c'est pas mal. Je pensais que t'aurais été devant quand même, toi. Le verdict de la place sur la grille. Du coup, par contre, au groupe 1, vous passez à un second, après le groupe 2, il y a un problème. Ouais, Marty William, on est là, 24e. 24e temps. Ouais, ça va. Ouais, ça va, on aura la place sur la grille. Hein. Bon, il faut que je sois avisé. Sur YouTube.
C'est ouais, le seul. C'est vrai qu'on filme chaque fois, il ne verra même pas combien de temps. Et abonnez-vous à Wii Amorti, important, important. Gert, qui prend le 15e temps de la série. Bah en vrai, ça glisse à des endroits bizarres. Ouais, 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 c'est sec. Ouais, voilà. Je sais pas, ça fait longtemps. Papa qui prend le 3e temps, je crois, de la série. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire les abonnés? C'est pas le live, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va en bas, bon, quoi. Allez, vas-y. Et là maintenant, ça va être la pause. On va manger. Tu t'attends que ça, je pense. Exactement. Et après, voilà, petit repos et on partira pour les matchs. Il est là, le pilote. Monsieur Marty. À côté de Diane, oh, Ferrandis qui est avec nous. C'est maintenant qu'il faut négocier la team là, pour l'année prochaine. Résumé de cette première manche, alors je pars dans le paquet et au troisième virage, un pilote tombe devant moi. Je peux pas éviter sa moto, je m'y coince dedans et c'était en haut une petite montée. J'ai mis du temps à pouvoir relever la moto, repartir. Je repars dernier ou avant-dernier et sachant que j'étais pas non plus le plus rapide en piste, même très loin de là, j'ai mis beaucoup de temps à remonter et la piste venait d'être arrosée un peu. J'ai piste glissante, un peu compliquée, j'ai mal roulé et avant la fin de la manche, je me suis coincé dessus dans une ornière et je me refais passer. Très mauvaise manche, je finis 33 sur 40, un très mauvais roulage. Léo il a niqué la moto. Léo ouais, il rentre en plus. On en parle à manche. Et là ça va pas enregistrer. Non mais c'est la 8 en plus. Parce qu'en plus quand t'es passé, quand t'es allé sur la grille, j'avais vu qu'elle était allumée, j'ai regardé. Ouais mais là elle est éteinte, il n'y a pas la vidéo. Et il y a quoi? Il y a rien du tout. Même la GoPro n'a pas voulu marcher dans cette manche, voilà quand tout se passe mal. Après une préparation avant la deuxième manche. La grosse traîne de boudée au sol, tu sais. Il est presque à dormir. Dernières impressions de la course. Ben, j'espère que ça va mieux se passer qu'à la première. On va essayer de rester dans les 20. Allez, rester dans les 20. Après cette chute, je vais mettre un petit moment à repartir. Déjà le temps de me réhabituer au nouveau profil du EV de frein et au nouvel alignement de la roue par rapport au guidon. Merci les têtes fourchues d'origine. Et pourtant, je sais bien qu'il faut des strings. Et ensuite, j'ai vraiment pas pris de risques. J'ai pu se rouler en mode pas tomber parce que, pour être honnête avec vous, je me suis fait peur.
comme vous venez de voir, la deuxième manche s'est encore plus mal passée que la première. Je pars dans le paquet, au premier virage ça pousse sur l'extérieur, je prends le bord de la piste, je chute. Et après ça j'étais vraiment dégoûté, j'ai vraiment pas roulé un bon rythme, j'ai vraiment roulé en mode pas tombé quoi. Donc en conclusion, c'est ce qu'on appelle une super journée de course. Punch me in, they see me in, I won't ever losing, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat her to pussy, then I go and cop in and hop in the bench. She love my music, but say it's confusing, I ran it up from the start to the end. We used to fail.